Ce jour-là, le dimanche 5 janvier 1975, dernier jour de l'ORTF. Ce qui s'est passé, tout commence le 7 août 1974 avec une loi qui supprime officiellement l'Office de radio-télévision française dans l'article 2. Et cette décision prendra le 31 décembre 1974 pour une fin donc à la télévision, en tout cas le 5 janvier. Alors, il y avait une holding qui était prévue pour regrouper tout ça, mais finalement ça n'a pas été le cas. Donc Radio France avec toutes les radios nationales, la télévision avec Télévision Française numéro 1, Antenne 2 et France Région 3, et trois établissements publics, Télédiffusion de France TDF pour les émetteurs. Il y a également la SFP, la Société française de production, et puis l'INA, bien sûr, qu'on ne présente plus. Cette décision d'août 1974 viendra du Premier ministre Jacques Chirac. Quelle journée ! Eh oui, quelle journée ! Eh oui, en détail, que s'est-il passé ce dimanche 5 janvier ? Alors sur la une, la journée se passe normalement puisqu'il y a le jour du Seigneur qui était diffusé encore sur la une, la messe de l'Épiphanie, la séquence du spectateur, les journaux 24h sur la une, évidemment on en est à la 2000 je ne sais plus combienième émission depuis 1963, vous en voyez d'ailleurs le présentateur des journaux du 13h et du 20h. Il y aura 14h sport en fait, avec un certain Michel Drucker, pour la dernière fois évidemment, avec comme invité Joe Dassin, Adamo, Eddy Michel, France Gall et Carlos. Très beau programme. Pour ce qui est de l'après-midi, en fin d'après-midi plein phare, c'est un film, il y aura un concert, il y aura Discorama, il y aura sport dimanche, ça sera la dernière d'ailleurs. Et puis en prime time, il y a Vacances Romaines à 20h50. Donc, comme quoi les émissions ne commençaient pas si tôt que ça en prime time, même à l'époque. 24h dernière à 22h20 et fin des programmes 22h30. Sur la chaîne couleur numéro 2, puisqu'elle s'appelait encore comme ça, il y aura les concerts, l'Orchestre National de l'ORTF pour la dernière fois. Il y aura autrement le shérif ou le chéri en film. Et puis pour ce qui est de la fin d'après-midi, il y aura Télésport évidemment. Et puis en prime time, l'impressionniste avec l'aventure de la lumière. Fin des programmes à 23h. Et puis donc, pour ce qui est de la chaîne numéro 3, il y aura juste des programmes le soir à 19h40 après le flash d'info avec la juive du château T. Et puis les émissions régionales en prime time d'ailleurs. Oui, je regarde ça. Ah non, c'est pas en prime time, c'est à 19h15. Notamment en Bretagne Pays de la Loire, tous les chemins mènent à la mer. Et puis donc, en prime time, le comte de Monte Cristo. Fin des émissions, 21h40. Ce jour est bien évidemment culte dans la télévision française puisque c'est la fin de l'ORTF présent depuis plusieurs années et c'est également la fin des holdings avant le retour de France Télévisions en 92. Quelle journée, et c'est culte pour ça donc. Voilà pour ce jour-là, le premier numéro consacré au 5 janvier 1975, donc le démantèlement de l'ORTF. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.